Les étals de pelote vous donnent le tournis et vous avez des palpitations dès que l'on vous parle des chevaux de laine fingering, superwash ou double knit. Vous vous demandez s'il est possible de tricoter des chaussettes en soie ou alors s'il est bien raisonnable de vous attaquer à cette pelote de cachemire pour une couverture bébé. Alors cet essentiel tricot est fait pour vous. Bintou vous expliquera comment choisir la bonne matière, le bon fil, le bon brin et le bon conditionnement pour tous vos projets. Elle vous parlera avec amour de ces pelotes qu'elle affectionne tant et vous donnera toutes ses astuces pour ne jamais regretter son association Laine Projet. Donc, une chose à laquelle il faut faire bien évidemment attention, c'est d'abord l'épaisseur de votre laine. Donc, je vais revenir vers vous pour vous expliquer un peu les différents types d'épaisseurs qu'on trouve dans le commerce et souvent dans les patrons de tricot. Comme tous nos essentiels, une fois acheté, ce cours est disponible à vie dans votre espace élève. Mais attention, nous tenons à vous prévenir, Bintou et Artesan.com ne sauraient être tenus pour responsables de toute addiction aiguë à la laine développée à la suite de ce cours. Alors sortez la tête de votre montage de pelote et venez nous retrouver sur Artesan.com.